Notre tâche est ardue, mais elle est capitale. Nous consacrons un nom. J'espère en cas de destruction, je serai pas obligé de tout refaire. Il y a un salaud ou pas là? Il fallait que je passe entre les lasers. Alors, entre. Il va sur le ressort l'autre. Confinement lancé. Tu n'as pas fait tout à l'heure. En fait, il faudrait, c'est ça, que je fasse ça. Rapide avec un vrai drone. Juste pour le fun, on va passer le speed.
m'appelle Sébastien. C'est le moment pour lequel toi et tes amis vous êtes entraînés. Fais sauter le système de sécurité pour papa. Excellent. Je suis curieuse de voir fonctionner ce micro-drone. Ouais, j'attends que ça. Ça devrait être mortel. Cette putain de porte. Taisez-vous et laissez-moi faire. En fait, j'ai l'impression que les... Sébastien, un autre de nos nombreux micro-drones alliés. Ils s'appellent tous Sébastien, naturellement. On ne peut pas itérer la perfection. Faut trouver un moyen de passer. Ok. Le problème d'être petit, c'est qu'on est quand même beaucoup plus. Allez, allez, à du. J'ai pas trop l'intérêt de voir les deux. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui s'est passé?
Il y avait un danger probablement électrique, mais j'ai pas compris. Passer qu'on ne sait pas où. Comment je peux le savoir? Après, il faut que j'aille où. Apparemment, ces machins-là dégagent la chaîne. Ici, là, excuse-moi. J'ai peut-être une sortie ici là. Mal de câblage ici. Il y a de la soufflette là. Ah, c'est quoi, c'est de la rame ça? Je suis pas super haut. Ah, il faut que je passe par là. Ça me rappelle un petit peu le truc que j'avais fait dans le maintenance. Justement avec les drones de maintenance. Ouais, doucement, ça serait dommage de crever. Il y a un tuyau aussi d'aspirateur. J'aimerais pouvoir que mon petit drone se répare. Franchement, j'aimerais pas. J'ai pas envie d'avoir à tout. Go go go. C'était moins une. Encore. On va aller où cette fois-ci? Si je suis pas sûr. C'est un peu plus.
sens propre du terme. Il me reste 2 points de vie. Il y a encore des trucs chauds. Voilà. Qu'est-ce qui s'est passé? Arrivé. Mais non. Ah, c'est bon, il va pas faire commencer tu. C'est pas si vache comme ça. Je me retrouve dans mon petit tuyau d'aspirateur tout à l'heure. Mais en full life. C'est vrai que je peux peut-être changer de vue. Non. J'ai un point de vue à la vue intérieure. Là, visiblement, il y en aurait 2. Ça fonctionne. Voilà. Et on reprend dans le lieu de chaud. L'avantage c'est que je suis full life. Je vois des courants d'air. Des arcs électriques. Ça me fait penser à du water. C'est assez facile, mais c'est un petit peu comme c'est sur du long terme, on va dire. C'est un petit peu stressant. Comment est-ce que je vais passer par ici ? Le ventilo va me pousser. Peut-être que je mette au ras du sol. Peut-être moins une prise à l'air. Alors que je fonce. Je vais me mettre là et je fonce. Non, mauvaise idée. Là j'imagine qu'il y a trop d'air pour que je saute. À moins que ici. Ouais, là il n'y a pas de. Tellement beau sur ces rites, toutes ces lumières. Pour être assis, ça doit être chargé. Je
C'est là que ça a dû être mon premier jeu sur Série X. Au final, ce sera peut-être mon dernier jeu sur la One. Tellement kiffant de se retrouver dans une machine comme ça. Je vais pouvoir passer par ici. Et après redescendre ici, ok. Logique. Et c'est reparti avec leur four. Bon, comment il fonctionne celui-là? Ah, faut que j'y aille quoi. Ok, j'ai compris le principe. Voilà les noyaux! Détruis-les, Sébastien. Et pour l'amour du ciel, fais attention. Tablette à cracher. Papa est très fier de toi, Sébastien. Oh, je disais donc, vous devriez maintenant pouvoir accéder à la salle du projet Témis. On va lui pourrir sa journée à Nigel. Albion Private Service. Jadis un bastion de civisme, aujourd'hui réduit à une zone de non-droit. L'homme n'est plus à même d'être sa propre police. Heureusement, nous n'en avons plus besoin. Bienvenue dans le projet Témis. Albion a réussi à mettre en application un système préexistant, LifeScore. Un registre de données biométriques et d'informations personnelles à nos nouveaux drones autonomes. Ces drones pourront ainsi identifier, isoler et éradiquer toute menace avant même qu'elle se produise. Ils peuvent s'infiltrer partout, voir absolument tout, et éliminer un homme seul dans une ruelle ou noyé dans une foule avec la même précision. Les drones Témis feront ce que les hommes se sont toujours refusés à faire. Agir avec fermeté et sans état d'âme. Bordel, je le savais! L'algorithme LifeScore, mon algorithme! J'aurais dû le supprimer avant de me barrer. Qu'est-ce que tu veux dire, Amish? Tu sais comment Témis fonctionne? Non, pas du tout! Enfin, si. C'était il y a plusieurs années.
On bossait sur un algorithme LifeScore pour un système de maintien de la paix imaginé par Cass. Ça devait identifier les civils vulnérables, pas les prendre pour cible. Oh, mon Dieu. Donc, en théorie, Témis pourrait être programmé pour cibler n'importe qui en fonction de n'importe quel paramètre. Exactement. Cass est du genre à réfléchir comme ça. C'est un génie malade. On doit intervenir. Et je sais comment. En supprimant les données de LifeScore, on grille Témis. Oh oui, d'accord. Il le faut. Ok. Salut Pulsar, j'espère que tu vas bien. C'est fait. Oui, nous nous jetterons des fleurs en plein visage un peu plus tard. Dépêchez-vous de sortir. Eh, mon ami là. Je vais le laisser là. Ah non, c'est pas le mien celui-là. Il est là, mon ami. Allez, ouvre. Et voilà. Comme dirait l'autre, job finish. Cela va peut-être nous divertir. J'ai intercepté une transmission audio de Nigel Cass. Excuse, c'est ma ville. Et je ne laisserai pas tête sec ruiner les plans que j'ai pour elle. Témis était sur le point de révolutionner Londres et le monde. Et ce groupe de... Avec cette ordure d'Amish Bolaji, retrouvez-les. Ils vous ont ridiculisé. Ils sont entrés tranquillement dans la White Tower sans qu'aucun de vous ne les arrête, malgré toutes nos mesures de sécurité. Qu'est-ce que vous avez à dire à ça? Rien. Et puisque c'est comme ça, tous les employés de l'organisation seront contrôlés immédiatement. Quelqu'un les a aidés, et nous allons les éliminer. Et cette fois, il n'y aura pas de survivants. Bon, on s'en est bien sortis. Cass va mettre du temps à le digérer. Plus de LifeScore, plus de Témis. T'as réussi. C'était un bel effort conjoint. On n'aurait jamais réussi sans votre aide. Mais le problème Cass est loin d'être réglé. Vous accepteriez de poursuivre notre collaboration? Non, je suis pas trop du genre social. Surtout quand je repense à mes derniers jours chez Albion. Mais je garde un œil sur eux et sur Cass. Je vous ferai peut-être suivre des infos. Il reste toujours cette question de Zero Day. Vous vous souvenez d'eux? Ceux qui ont massacré les DedSec 1.0. Cass était impliqué dans cette purge, Bagley, et dans les attentats. Donc toute l'aide que tu peux nous offrir est la bienvenue, Amish. Merci. Ok. On va récupérer un petit peu de sous ici. Là, précédemment, dans Commissaire Bagley et ses inénarrables bipèdes, nous avons appris qu'un milliardaire du high-tech et un profiteur de guerre manigancé pourra servir des humains sans défense et tuer des milliers de gens. Ouais, ça c'est du pitch. Tant qu'on parle de crapules, la vente de Marie Kelly aura lieu incessamment sous peu. À part ça, nous venons de recevoir un signal de détresse en provenance d'un coffee shop, dites donc. Sûrement une histoire de wifi en panne. En quoi est-ce pertinent ça, Bagley? Oui, évidemment, il doit y avoir autre chose. Mais je sentais que je devais faire une blague pour vous faire gaulerie, n'est-ce pas? Je vous ai mis les deux pistes sur votre optique. Faudrait que je monte... ici.